Assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Donc, nous sommes aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Nous allons vous montrer une seule façon simple pour faire une fiqra en français dans la 5e année pour le tarif ou le mot على المهن. مثل طريقة اللي كتبت فقرة حول المهن. Donc je vais vous présenter comment rédiger un petit paragraphe, bien un petit texte sur les métiers pour le projet 3. Bien sûr, c'est pas comme l'ancien programme en utilisant le présent, mais en utilisant le futur, conjuguer les verbes au futur simple et utiliser une boîte à mots. Donc, nous devons la barakatillah, bismillah. Donc, le premier métier qu'on va choisir aujourd'hui, c'est le médecin. Donc, vous avez ici la boîte à outils. Donc, le lieu où travaille le médecin, c'est l'hôpital. Ensuite, vous avez les actions. Ausculter et soigner les malades. Prescrire les ordonnances. Ensuite, vous avez les outils, le stéthoscope, la seringue et le tensiomètre. Voilà, donc comment je vais commencer mon paragraphe? Premièrement, on va mettre le titre, donc on va mettre le nom du métier en premier. C'est le médecin. Voilà, donc au premier lien, on met le nom du métier, c'est le médecin. Ensuite, on revient à la ligne, toujours il faut laisser deux carreaux, donc on laisse à peu près deux ou trois carreaux. Et on commence le paragraphe ici. Donc, comment je vais procéder mon paragraphe? Donc, on peut commencer par exemple en citant le prénom. Je vais dire « Je m'appelle ». Et ici, tu vas mettre ton prénom. Donc, « Je m'appelle ». Ensuite, tu reviens à la ligne. Quand je serai grand, voilà, donc le bdaw avec quand je serai grand, parce que l'intitulé de la séquence c'est quand je serai grand. Voilà, je voudrais devenir médecin. Voilà, donc là, je voudrais devenir un médecin. L'article, je voudrais devenir médecin directement. Voilà, donc avec un médecin, c'est faux. Ok, donc ça, c'est ma première phrase. J'ai présenté le métier que je veux, que j'ai choisi. Ensuite, je vais prendre le lieu de travail. On a dit le lieu de travail, c'est l'hôpital. Voilà, donc l'hôpital, pour l'hôpital ou bien pour le lieu de travail, je vais utiliser le verbe travailler, dans. Donc, on va rajouter le verbe travailler à l'infinitif. Donc, on explique à l'infinitif. Donc, j'ai expliqué les leçons. Le verbe à l'infinitif et on rajoute le verbe avoir. Je, mais le verbe avoir, c'est AI. Donc, je travaillerai dans un hôpital ou bien à l'hôpital. Donc, si on utilise dans, on est obligé d'utiliser un déterminant indéfini. Hein? Je travaillerai dans un hôpital. Donc ça, c'est pour le lieu de travail. Maintenant, sur la boîte à outils, on dit les actions, on dit les outils. Qui m'a tapé les outils, les actions. Pour les outils, tu vas utiliser le verbe utiliser au futur. Donc toujours avec le pronom je, parce que Aslan, la consigne, il utilise la première personne du singulier. La première personne du singulier. La première personne du singulier, il y a le je.
لكن قال لك utilise la troisième personne du singulier هنا راح تستعمل il donc il faut bien lire la consigne كي تقرا السؤال مليح راح تفهم واش مطلوب منك لكن قال لك le futur des futurs لكن قال لك le présent dire le présent لكن قال لك le la première personne du singulier dire je لكن قال لك la troisième personne du singulier dire il donc حنا مادام هنا قلنا la première personne du singulier راح نستعملو le je نكتب لو فيرب تاعي قلنا دونك في الفيتور توجور نكتب الانفينيتيف تاعي كيما راه هنا لو فيرب يل كومونس بار اون فويل دونك نحي لو او تاع لو جو نحط في بلاصتها لابوستروف قلنا لو فيتور واش هو هو الانفينيتيف بلس افوار مع لو جو عندي اي دونك جوتيليزوري ونحط لي زوتي تاعي لو ستيتو scope virgule donc il y a deux عندي عناصر بزاف كيما هنا عندي ثلاثه راح نحط الاولى ندير فاصيله ثانيه كي تبقى لي الاخر نحط قبلها او تي دونك لو ستيتوسكوب لا سيرينغ اي لو تنسيومتر Et je termine toujours ma phrase avec un point. Donc, qui m'a donné un dibzef huayij, une liste de mots, n'hot des virgules, qui te parle la chran, talha et, puis place la virgule, hot et. Donc, j'utiliserai le stéthoscope, la seringue et le tensiomètre. Donc, quand on passe aux actions, donc les actions, j'en ai deux, je vais utiliser les deux en conjuguant les verbes au futur. Donc, rahna stamel les deux actions fizouj, rahna tiran fizouj. Voilà, je vais conjuguer les verbes au futur. Donc, je reviens à la ligne. Je prends mon premier verbe, ausculter. Donc, toujours le verbe taille à l'infinitif. Non, parce que le verbe commence par une voyelle, donc j'élide le E. Pour le jeu, avoir, donc je rajoute AI. J'ausculterai et... Je le verbe soigner, zit ai, donc t'as je soignerai les malades. Voilà. Donc j'ausculterai et je soignerai les malades. Voilà la deuxième action. Le verbe prescrire. Donc pour les verbes de troisième groupe, non, c'est un verbe. Qui finit par RE. Donc, on a le E ou le E, on a le avoir. Donc, pour les verbes de troisième groupe, on a le E ou le E. Je vais faire l'infinitif qui m'a là. Parce que on a dit le qaïda pour les verbes de premier et deuxième groupe. Premier et deuxième groupe, on a l'infinitif qui m'a là, on a le I. Mais pour les verbes de troisième groupe, on a le E. Pour les verbes qui finissent par RE ou la DRE. Donc, je prescrirai des ordonnances. Voilà, donc je peux terminer mon paragraphe en utilisant un adverbe de but, par exemple. Ou bien un adverbe de manière. Donc il faut utiliser les points longs, les qaritouhom. Hatta huwa ma qallek chinta taqdar tzid les points longs, les qaritouhom. Donc tu peux utiliser un adverbe de but. Par exemple, je serai médecin pour... aider les gens à guérir ou bien pour soigner les gens. Donc, je serai médecin pour aider les gens à guérir. Et on peut rajouter une autre phrase. Exclamative. Quel beau métier, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est pour le médecin.
On passe maintenant au pompier. Donc, là, j'ai préparé des fiches pour mes élèves. Le pompier, les outils, le camion, l'extincteur, le casque, l'échelle, l'uniforme, le tuyau, la bouche à incendie, la lance, le masque à gaz. Les actions, le lieu de travail, c'est la caserne des pompiers. Les actions, c'est sauver des vies, éteindre les feux, sauver les gens qui se noient, retrouver les victimes d'un tremblement de terre, dégager les blessés lors des accidents. Donc, premièrement, on commence par le titre, le pompier. Ensuite, quand je serai grand. Je serai pompier. Donc, imagou nagbil, imagou, je serai un pompier. Je serai pompier. C'est mieux de dire ça. Bah, on passe aux outils. Maintenant, on va utiliser le verbe utiliser. Donc, j'utiliserai. Toujours maintenant pour le futur. L'infinitif plus avoir. J'utiliserai le camion. Donc, on a trois tabacs, on a un chocolat, virgule, le casque. Ou bien, on va prendre quatre, à Kabachinori, donc faire un déroulé, le tuyau et le masque à gaz. Voilà, donc. كانوا عندي مجموعة من الكلمات درت بيناتهم دي فيرغول لو كاميون لو فيرغول لو كاسك فيرغول لو تويو كي بقات لي الاخرى درت اي لو ماسك ا غاز دوكا نروحو لو ليو دو ترافاي قلنا توجور نستعملو لو فيرب ترافايي جو ترافايوري دونك لانفينيتيف دو ترافايي بلوس اي جو ترافايوري دون اون كازيرن. Ensuite, on va passer aux actions. On va prendre deux. Je. Ou bien, on va dire je voudrais. Même les actions, tu as le droit de faire avec des adverbes de des CC de but. Donc, je voudrais, par exemple, devenir pompier. Pour sauver des vies. Bon, ensuite, on va prendre une autre, retrouver, je rajoute avoir, je retrouverai les victimes d'un tremblement de terre. Voilà. Quel métier intéressant, par exemple. Voilà, donc j'espère qu'on a fait comme à la prochaine vidéo, inchallah.